Quelques premiers grands points qui ont dominé l'actualité à ULCC présenté cet rapport enquête liminaire sur corruption et le mandé fouqué plusieurs personnalités qui la del aviol fleurin citoyen ça qui te dit si on joue le tamouri le rive dans ciel là dans jugement dernier pour le ta garder bon Dieu dans j et pour le ta dit mission te vrai lui fait Haïti a pas rempli et ça tape grave pourtant mon chien a passé dans tête ministère planification li lavé l'air gain tout 14 diplomates qui la gain nan raconté dossier sécurité pendant trio qui c'est la police l'armée ak force MSS a continué à marcher sous gangyo en pile diversion a fait bandi continué et pral jeune baron et gain tout plusieurs igloo chargé balle la police saisi et plus détails a venir. Gen tout yon lot scandale qui éclaté contre commissaire gouvernement Jean-Ernest Muscadin après accusation monsieur Pierre Espérance Kounia c'est yon lot zinkabouille en pile partisan commissaire fâché estomaqué à cause de parole silao nous pralvine sous ça talé comme ça c'est quelque part mes grands points qui a dominé actualité à nous pralvine akio mais bien avant ça il est important pour nous encourager chaque grand nous qui a regardé qui a attendu émission ça pour nous abonner parce que c'est vraiment important et pas oublier objectif là c'est yon million abonnés nous parlons arriver 700 000 abonnés mes amis en frapper yon façon pour nous capable aider grandir famille ça. Nous c'est Marchandise Haïti. Quel que soit côté information ayez, nous pourrons chercher pour le baou Jean Lia. Oui, ça j'ai pas compris d'après les détails. Opération PNH plus la médaille d'Haïti Axipor force multinationale là à para poursuivre dans Badelma, Belen à Casolino et c'est pour première fois depuis quelque temps la police a mené une opération sans camper bien que gain en pile diversion qu'a fait pour détourner attention peuple là mais opération à para poursuivre. Donc a remarqué gain vidéo par exemple barbecue publié vidéo le fait quoi que gain policier qui commençait rejoindre lui un soi-disant policier tout trouger le boucher et image là tellement et triqué même sous campé moun qui dans vidéo a pas semblé chef vrai donc c'est vraiment en pile diversion qu'a fait pour détourner attention peuple là mais nous ka remarqué et bandio a metté en pile stratégie à terre pour faire diversion mais le peuple là rete focus donc celle ça paye a tant que là c'est solution en pile diaspora a tant pour al piafé décembre qu'a venir là c'est toutefois la police kembe comme ça et continuer élargir opération dans diverses autres zones encore parce que malgré la police Kembe y a une présence permanente dans zone la opéré y a en pile l'autre zone bandi yo continuer à simer la trouble bien que au commandement PNH l'a annoncé y a privé sous l'autre zone yo gain tout plusieurs y global yo individu semblé tapoté pour alimenter gang yo que la police a toqué kon akio depuis une semaine. Donc la police Kembe monsieur dans rue Chavanne mardi 3 septembre 2024 là avec 3 igloos chargés cartouches selon ça que radiographie rapporté. D'autant plus policiers patrouillé monsieur y remettent li à DCPJ poursuivi. Donc c'est vraiment un gros coup de filet, ça montre que la police fait bandio gaspiller en pile balle. Toujours mardi 3 septembre là, gagné tout yon bandi qui était habillé avec uniforme la police que yon backup pa PNH avoué à le jeune baron. Bandi là que identité poko révélé était habillé avec uniforme simo avec manche longue li nan mel, t'a pral pantan sur un backup police et puis le courir rentrer nan yon caille. Policier ou te tire gaz lacrymogène en dedans, monsieur shooté gaz avoué le tourner. Le policier USA a dit ou pral mette di fe sou ka la ak tout monsieur Ladel, eh ben toi obligé retirer uniforme 6 mois quitter soulia et puis courir sorti deux mains en l'aile qui te amène en dedans dans un contexte côté force audio a goumé ak bandi et puis croisé ak bandi mach long dans main uniforme la police eh ben policier fait ça qui pisse un plan qui se bat monsieur ticket first class et puis voyez al jeune baron la police qui vraiment a fait un pile effort pour contrer carré bandio. C'est vrai que un pile moun geti doute par rapport à deux chiffres qui avançaient que ce soit dans chiffre bandi qui tombait zam qui saisit etc mais un pile moun rete positif quand même. Donc un problème insécurité Haïti a fait face à arriver dans une phase li tellement compliquée dans mes autorités en pile question continue à poser. En tout cas moi invité nous tande jeune politologue Stéphanie Sofoni lui qui t'a analysé situation Haïti a vivre là en attendant avec en pile attention. Oui mais bagaille c'est que nous capable dit tête nous c'est que
situation que nous vivons en 2024 là, il pas commencé en 2024. Et yon nan bagay ki tout dérangé, c'est le fait que c'est kounya peut-être capable di les bagay la récit Maria n'a pas essayé mettre débat sous pied Jean pour mettre alors que avant son bagay qui fait de manière progressive que nous capable di même qui commencé depuis 2004 qui grandit qui bon 2024 ça ko gen là. Donc premier bagay ça prouve que pa jam te gen volonté pour te gen une sorte d'anticipation parce que l'organe administration ça veut dire là pour gérer et pendant à gérer premier travail là c'est anticiper tout ça qui ka gagner et qui t'en poser des bases des pare-chocs pour éviter que le vienne dans une situation que ou même ou pas capable ranger parce que pas oublier pendant insécurité à t'a grandi pas gagner des mesures économiques parallèles qui t'a prend ça veut dire pendant ou violence là a produit et en même temps frustration pas continuer à augmenter pas suspendre augmenter alors que dans la politique dès qu'il y a frustration automatiquement a bien violence politique donc c'est une équation qui était très simple et qui était très prévisible pour tout le monde de capable et c'est ça qui fait ça même conclut que on ne peut pas oser parler d'insécurité aujourd'hui mais plutôt de banditisme d'état. Moi dis moi ça c'est pour qui ça parce que l'on parle de insécurité ils sont bagarre qui de manière isolée on individu qui sentit le grand goût li on l'autre a passé le les armes li prend cobli on monde décider le besoin cobli kidnapper un monde pour tirer un son et puis le prendre de manière isolée mais là on parle de contrôle on parle d'un système de chaos qui est dirigé par un groupe de personnes peut-être qu'on ne connaît pas exactement leur nom c'est un système qui gagne implication nationale et internationale donc automatiquement nous pas quand même oser parler de insécurité pour qui ça me dit ça. Il y a un dicton qui dit l'homme mal nommé bagay là ça ca permet ou pas une vraie solution et nous tout comme ça en droit pénal dès pour mal nommé infraction automatiquement pas une infraction encore parce qu'on pas ca bay caractéristique qui aller avec donc là n'a parler de insécurité peut-être que ça a minimisé les choses pour moi aujourd'hui c'est un système qui volontairement imposé par un série de monde que peut-être lui-même lui bon pour eux et même qui était insécurité banditisme d'état tout nous parler de criminalité et souvent aller plus loin nous quand même oser parler de terrorisme le pourquoi à gravité que bagay ça est là côté kounyan là ou jeune moun ki chita bola rue un groupe d'hommes avec zam nan mais au passé au tirer sur tout le monde un groupe machine a passé avec des civils parce que maintenant pays qui gen guerre yo les civils restent des civils toujours un minimum de comme de la de condescendance pour dire à groupe moun ça m'pa toucher mais jodi a la m'pa di ça tout moun touché toute couche touché pas gen moun ki épargné et le pire li pa gon idéologie d'elle c'est qui ça y a défendre finalement c'est-à-dire même moun qui c'est instrument de banditisme là li pa même konn qui ça l'a chercher parce que finalement li fait comme c'est vrai mais c'est pas des comme que le cas juif. Donc c'est pour montrer comme ça son bagage qui très très bien planifié et c'est peut-être ça parce que nous supposer toujours adresser nous avec autorité pays parce que yo comprendre situation et yo connaît parce que yo connaît tout des mesures adéquates pour capable camper insécurité. Donc intervention là t'as parlé de question force kenyenne et pas débat yo va bataille pour pas mandé force ça pour venir là pendant que on connaît combien dans conscient haïtien nous hostile avec des forces étrangères par rapport avec l'histoire nous prend colonisation ou prend 1915 ou prend 94 ou prend 2004 c'est des moments de notre histoire que nous pas jamais oublier c'est-à-dire malgré ça ou pas même cœur pour connaître qui est fait ça qu'a fait dans conscient nous en tant que peuple haïtien ou décider voyer une force et puis c'est qu'on y a en 2024 ou dit pour supporter police nationale alors que c'est ça qui est le premier solution ou font vetting ou former des jeunes pendant combien de temps là ou faire des unités spécialisées ou bay au matériel adéquat ou retirer embargo qui fait conseil de zam yo pa ka jeune là ou commande une série de blendo bay pour tout bon et ou faire des suivis pour make sure que blendo bay dans la police elle va aller dans mes gangs c'est des bagages qui très simple sans compter les mesures accessoires qui c'est des sanctions économiques réelles c'est pas des sanctions qu'on dit dans bouche puis dans la réalité mon ou bay sanctions elle puis à l'aise passer. Donc aujourd'hui à la même j'ai demandé côte Cap du Caribbean d'a demandé côte Royal nous on pas connait. Donc il a passé son temps et voilà, nous travail conscient nous pour oublier tout ça passé et puis on recommence qu'on y en a rebli on l'autre partie dans histoire nous qui a fait que nous pas jamais qu'a prendre conscience de gravité bagala. Donc vraiment pour me finir parce que c'est une situation qui t'a dû interpeller le plus profond de notre être. Je ne parle même pas de question d'haïtianité, mais notre humanité. Parce que sous son humain jodi a là, m'pa ka comprendre comment on nous fait dormir, comment bras ou fait croiser. Même c'est pas dans camp, mais leur songer ça qu'a passé dans quartier ça, nous pas la droit qu'à manger, nous pas la droit qu'à vivre, tout pas la droit qu'à rire parce que pays nous en guerre, pays nous en crise. Donc voilà. C'est pas dit on a pas déposé valise nous dans département NIP pays à côté gain une série de paroles cap cléonin sous dos commissaire Muscadin et quelques jours seulement après directeur exécutif RNDDH Pierre Espérance t'ai fait
des accusations graves contre chef paquet. Donc après accusation ça yo, yon l'autre gros accusation fait tomber sous deux commissaires et qui ça bagaille là hier depuis après-midi mardi 3 septembre 2024 là, gen un rumeur cap circulé qui fait croire que commissaire gouvernement juridiction Miragouane là Jean-Ernest Muscadin t'a ronflé ancien madame et maman petite li dans la nuit 27 pour 28 août 2024 là, et c'est ta jalousie commissaire assemblé t'a fait rumeur cap circulé a fait connait commissaire t'a frappé dame nan plus jo côté nan col ak nan visage ak écoute zam. Toujours d'après ça kap diyo, famille dame nan ta subi gros pression pour le pas parler causé, et selon information que sous nous partager ak nous dame nan effectivement c'est maman petite commissaire Muscadin li rele Jeanne sans que ne pas besoin citer tout nom, mais depuis 3 l'année moun sa yo ta séparé yo pat nan relation et ta semblé par rapport ak action commissaire a posé contre bandio, c'est ta moun qui en face commissaire qui t'a rangé ak dame nan pour piéger commissaire. Semblé même gen tentative qui t'a fait pour te voir deux timoun yo passer un petit temps ak commissaire et puis tout piéger. Donc en pile causé a dit nan dossier ça, mais nous pas trop arrêter sous ça, sauf que ça vient fait me comprendre que Haïti c'est un pays qui fragile. Commenter pam sous ça qui partia, moi t'a vraiment suggéré commissaire à prêcher la justice contre toute accusation qui sous dolio, parce que accusation ça est tellement grave et au paraît bien fondé. Donc commissaire a privé yon moment radio pap ka clean li et gen de bagay le ou tellement a répété dans oreille ou li vle vin sembler vérité, et seule instance qui gen mot parle dans dossier ça c'est la justice. Si commissaire et tabat dame nan que dame nan bay preuve l'hôpital etc et puis poursuivi se fait, parce que nous pas encourager violence sur femme, mais si c'est film qui a monté sous dos commissaire depuis le gain preuve branché la justice pour faire suivi yo. Haïti corruption, directeur unité lutte contre corruption ULCC monsieur Hans Jacques Ludwig Joseph présenté par la presse mardi 3 septembre 2024 là, 7 rapports enquête sur corruption ULCC mené sous gestion ancien ministre Aviol Fleurant avec divers anciens directeurs général quelques institutions dans l'état. ULCC transféré une requête par paquet parce que le JG gagne 14 diplomates là-dedans, Léon Charles qui c'est ambassadeur et représentant permanent et à Haïti dans OEA, ancien ambassadeur Conseil général à Conseil qui t'a fait faux déclaration de patrimoine. Donc selon responsable ULCCA, tout al cob yo jeune qui gagoté dans résultat toute enquête ça et plus passé 614 millions goud yon montant met Hans Ludwig souligné qui deux fois plus passé budget institution pour lutter contre corruption dans boîte électricité d'Haïti EDH. Plusieurs caissiers mettaient ensemble yo volo gagoté détourné 22 759 671.73 goud sorti janvier 2021 pour arriver janvier 2023. Et concernant passage à Viol Fleurant dans tête ministère et planification avec coopération externe, ULCC révélé que mettre la fait déclaration patrimoine li entré à sortil dans tête ministère dans dernière l'heure. Et malgré ça, il y a une déclaration patrimoine qui n'est pas bon et pas complet. ULCC révélé, M. Aviol Fleurant riche dans le détournement de l'agent l'État pour passager dans la tête du ministère de planification. Il n'a pas justifié coûté levé 75 207 339.29 goud qui représentait une augmentation 253.26% patrimoine li par rapport à COB yo joine sous 16 comptes bancaires madame Lio sorti mois mars 2016 pour arriver décembre 2018. Toujours selon ULCC, Aviol Fleurant pas kabay côté li joine $75,000 américains li acheté deux cailles li gagne Peggyville qui enregistré sous nom petite Lio etc. Après tout constat ça yo, ULCC mandé mettre action publique en mouvement contre Aviol Fleurant pour faux déclaration patrimoine et enrichissement illicite selon disposition article 17 de la loi 12 février 2008 là. Et concernant rapport sur enrichissement illégal, madame Marienta Mérinet, pendant la dirigée centre réception avec livraison livraison document identité CRLDI dans Pétionville sous direction immigration et émigration DIE, ULCC joint li touché illicitement entre 180 000 à 200 000 gouttes comme frais supplémentaires qui sortit dans service immigration et immigration aéroport international Toussaint Louverture là, alors que c'est responsable
CRLDI dans Pétionville, toujours selon ULCC, pendant coûte carrière dans l'administration publique là, madame Marienta Méromé rivé riche illicitement parce que le package justifié montant 33,865,569.66 goud yo joine sous trois comptes en banque Lio. Dans sens ça, ULCC mandé pour mettre action publique en mouvement contre Marienta Méromé et puis pour la justice saisie bien Lio pour enrichissement illicite avec blanchiment. Concernant gaspillage l'argent dans le programme national cantine scolaire PNCS sous administration ancienne coordonnatrice générale madame Efanèse Erlagia, il y a 250,376,187.13 goud l'état haïtien qui perdit ULCC m'a découpé coût supérieur des comptes enquêtés sous gestion madame Fanèse dans tête PNCS et prend mesure pour empêcher employé PNCS vienne comme fournisseur PNCS encore et puis m'a démetté action publique en mouvement contre plusieurs employés boîte là parmi eux madame Fanez. Rapport d'enquête sur le patrimoine de la planification et de la coopération externe à Viol Fleurant. Et rapport d'enquête relatif au détournement du carburant au sein du Service national de gestion des résidus solides. S'agissant de l'ensemble des diplomates, c'est d'abord Gilles Stéphane, consul au consulat général de Miami. Léon Charles, ambassadeur représentant Haïti permanent AI d'Haïti auprès de l'Organisation des États américains. Ces résultats issus de plusieurs mois, voire d'années d'investigation, mettent en lumière l'immensité des défis et le degré de porosité et de fébrilité de nos garde-fous institutionnels. Ces dossiers concernent des anciens titulaires des ministères des Affaires sociales et du travail, de la planification et de la coopération externe, de l'Office national d'assurance vieillesse, du programme national de cantine scolaire, de l'actuel directeur général et du directeur général adjoint du service national de gestion des résidus solides et des responsables à la direction de l'immigration et de l'émigration, notamment au centre de livraison et de réception des documents d'identité de Pétionville. Ces personnalités ont trahi leur pays en portant atteinte à la probité, en commettant des crimes financiers et des infractions de corruption. Ces infractions, bien identifiées et rigoureusement documentées, sont entre autres des actes de détournement de biens publics, d'enrichissement illicite, de blanchiment du produit du crime, de concussion, d'abus de fonction, de délits d'initié et de prise illégale d'intérêt, toutes prévues et punies par la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. Sur l'ensemble de ces cas investigués, l'État haïtien a perdu la rodelette somme de plus de 614 millions de gourdes, un montant qui dépasse paradoxalement doublement le budget accordé à l'ULCC pour lutter contre la corruption. Monsieur le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption, en ce 3 septembre 2024, l'ULCC est heureuse de vous accueillir pour une cinquième fois depuis l'accession de Maître Hans-Jacques Ludwig Joseph comme directeur général de l'institution dans cet exercice de remise à la justice de rapports d'enquête finalisés et de requêtes contre eux certains diplomates haïtiens pour défaut de déclaration patrimoine. Depuis le 27 juillet 2020, l'histoire de cette institution a pris une autre dimension. Avec cette bonne pratique qui a commencé en août 2021, avec la remise à la justice de 12 rapports d'enquête sur des faits avérés de corruption. Notre dernière fois, c'était en novembre 2023,
où l'ULCC avait transmis 11 rapports d'enquête à la justice. 8 septembre 2024, l'unité de lutte contre la corruption s'apprête à célébrer ses 20 ans d'existence comme gardienne de la bonne gouvernance et de l'éthique publique en Haïti. Conformément à sa mission légale, l'institution multiplie ses stratégies, construit des synergies, intensifie ses actes de prévention et de répression de la corruption afin de développer cette culture de transparence et de l'intégrité chez le fonctionnaire haïtien. Sans relâche, avec un engagement et une motivation sans faille, mes enquêteurs, en dépit de la situation délétère et des conditions générales peu encourageantes, persistent avec constance dans l'exécution de leurs responsabilités républicaines. Le projet que nous portons et que nous entendons exécuter envers et contre tous est celui d'assainir, de nettoyer l'administration publique en extrayant l'ivraie du bon grain ou l'indésirable de l'ensemble vertueux. Aujourd'hui encore, l'ULCC assume sa part de responsabilité avec courage et transcendance, en transmettant à la justice 7 rapports d'enquête sur des faits avérés de corruption. La remise de cet énième lot de rapports met à 94 le nombre de dossiers transmis par l'ULCC à la justice depuis son existence en 2004. De ces 94, mon administration en a transmis 49, soit plus de 50%. Ces rapports soutenus par une documentation scientifique attendent encore, pour la très grande majorité, les verdicts des cours et tribunaux du pays. Je rappelle que les juges doivent décider en toute indépendance, en priorisant l'intérêt général, en s'efforçant de résister aux forces occultes détentrices d'avoirs importants issus des actes de corruption qu'ils sont tenus de réprimer. Dans cet esprit, je veux saluer la récente publication par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire du guide de déontologie du magistrat. La justice, à cette phase, doit aider. J'en profite pour souligner à l'encre forte le travail de certains magistrats qui ne transigent pas dans les dossiers de corruption soumis à leur examen et qui assument avec un courage exemplaire en dépit des manquements et des faibles moyens en défaut. L'USCC se trouve à un carrefour historique en fonction des enjeux et de dossiers scandale qu'elle conduit. Noble charge de moraliser l'administration publique et la vie publique en général, de protéger les biens publics et collectifs, répondra à ce rendez-vous de l'histoire. L'affaire de la Banque nationale de crédit, les dossiers du Fonds national de l'éducation, du ministère des Affaires étrangères et de ses représentations diplomatiques, du bureau de monétisation des programmes d'aide au développement et autres sont en train d'être traités avec rigueur, impartialité, sérénité et le professionnalisme qui caractérise les enquêteurs de l'unité de lutte contre la corruption. Il s'agit pour nous des dossiers prioritaires qui font l'objet des suivis quotidiens. L'ULCC, comme le hibou qui le symbolise, cherche avec insistance et perspicacité. Et pour ce faire, elle mettra à profit toutes les importantes habilitations et pouvoirs que la loi lui accorde. Par ailleurs, nous continuons de mettre devant leurs responsabilités un ensemble d'agents publics, des diplomates haïtiens qui, en dépit de la sommation de l'ULCC l'année dernière, ont décidé délibérément de violer la loi en refusant sciemment d'effectuer
leur déclaration de patrimoine. 14 diplomates, ambassadeurs, consuls, consuls généraux sont aujourd'hui transmis, adressés au commissaire du gouvernement. Nous demandons qu'ils soient dépourvus pour la durée maximale prévue par la loi de l'exercice de leurs droits civils et politiques. L'USCC demande également aux autorités politiques et administratives de les garder très loin de notre diplomatie déjà chancelante. Enfin, chaque journaliste ici présent sortira de ces lieux avec un résumé exécutif de chaque rapport d'enquête, comme me l'autorise l'article 9 du décret du 8 septembre 2004 créant l'USCC. Nous décidons, en agissant ainsi, d'impliquer chaque citoyen et chaque citoyenne dans cette quête de bonne gouvernance et de reddition de comptes. Du haut de ses 20 ans, l'USCC assume. Ensemble, pour ceux et celles qui viendront après nous, on continue. Je vous remercie. D'abord, il y a le rapport d'enquête sur le dépôt de 2,759,000 gourdes pour la période allant de janvier 2021 à janvier 2022 à l'électricité d'Haïti. Rapport d'enquête sur le patrimoine de la planification et de la coopération externe à Viol-Fleurant. Rapport d'enquête sur les suspicions d'enrichissement illicite reproduit Marina Manta Meroné, responsable du centre de réception de livraison de documents d'identité CRL de Thionville, de l'immigration et de l'émigration. Rapport d'enquête sur le décaissement de par l'Office national d'assurance vieillesse à la demande de l'ancien ministre des Affaires sociales et du travail, M. Audney Pierre Rico, conduite au programme national de cantine scolaire sous l'administration de l'ex-coordonnatrice générale Mme Fanèse Laguerre. Rapport d'enquête de conformité sur les prêts accordés à Mme Mildred Béliard et M. Jacques Lauture par l'Office national d'assurance vieillesse. Et rapport d'enquête relatif au détournement du carburant au sein du Service national de gestion des résidus solides. S'agissant de l'ensemble des diplomates, c'est d'abord Gilles Stéphane, consul au consulat général Miami. Léon Charles, ambassadeur représentant Haïti permanent AI d'Haïti auprès de l'Organisation des États américains. Jean-Yves Rodi, ambassadeur d'Haïti au Mexique. Jean-Josué Jean, ambassadeur d'Haïti en France. Rockefeller Jules Samuel, consul au consulat d'Haïti à Paris. Bataille Franz, ambassadeur d'Haïti en Allemagne. Benoît Leslie, ambassadeur d'Haïti au Vietnam. Lamur Régine, ambassadeur d'Haïti à Cuba. François Wedlin, ambassadeur d'Haïti au Chili. François Guerrier, consul au consulat d'Haïti à Dajabong. Sager Walfo, consul au consulat général d'Haïti à Aruba. Jean-Pierre Garvey, ambassadeur d'Haïti en République dominicaine. Et enfin, Jean-Philippe Ricardo Ralph, consul au consulat d'Haïti à Orlando. Bien, merci. Pendant que le directeur général de l'USCC se déplace, nous allons, et le protocole va donner à chaque journaliste de ses résumés exécutifs de rapport, ainsi que la transmission de requêtes pour défaut de déclaration patrimoine au parquet contre les... Ancien colonel Himmler Ebu réagit sur divers sujets qui ont rapport avec sécurité, et spécialement sous ça la comprendre sous déclaration commandant contingent Kenyao en Haïti, Godfrey Otunge qui a annoncé qu'il pourrait opérer pour attaquer bandits en l'air sous la mer et sous terre. Colonel Rebu parlait sur la même pays d'Haïti avec sous décision PM là visé prend pour craser centre national équipement CNE pour mettre matériel CNE au bail la mer. Dans de yo parler opérer ni dans ciel ni sous terre. Son commande de parler donc s'il parler lui dit l'a opérer ni à terre ni en l'air ni sous la mer. Donc c'est une question pour nous tendre. Des fois nous on le dit c'est lui qui opérer à terre. Allez voir vous pour opérer en l'air. En l'air plus facile qu'à terre.
en l'air plus facile longtemps que à terre. D'ailleurs, pour terre fonctionner bien sans l'air pour Bali. Alors naturellement même pas connait mais bagaille m'étendre le dire c'est deux bagaille m'étendre dit il y a deux ou trois semaines que me dit pour résoudre problème qui gain là ou pas cap opérer à terre seulement faut une bonne couverture aérienne. Moi connais grand pile monde dans l'armée qui passe dans des institutions d'armée étrangère et qui fait le travail de corps spécialisé. Maintenant, qui organisation vous avez aujourd'hui, qui entraîne vous avez, et surtout, qui matériel équipement vous avez, pas connaître, donc c'est difficile pour me dire ça, vous êtes capable de faire ou pas. Colonel, vous avez le Premier ministre qui a annoncé la 18, donc la crasée du CNE, pour qu'il soit capable de prendre matériel, et le remettre ensemble avec le FADIH, pour qu'il soit capable de mener l'opération. Et là, nous connaissons. Le matériel là mais alors j'ai besoin pour mener l'opération mais comment comprendre ça c'est une décision bon m'pas capable de jugement sur décision parce que m'pas connais situation matérielle situation personnelle situation de discipline de productivité que CNE gagne mais ça moi qui tilt moi c'est l'homme dans de dit y a prend matériel CNGA. Je te dois spécifier pour te dire pour te bailler corps du génie de l'armée. Parce que pas oublier dans l'armée, il y a une entité spécialisée qui est le corps du génie et qui est capable d'utiliser le type matériel que CNE qu'on utilise. Donc, c'est une évaluation fait par rapport à un constat que vous faites. Et puis, il y a un renforcement qui fait dans une branche de l'armée qui est le corps du génie. Donc, moi, au lieu de dire tout simplement qu'il y a bailler l'armée matériel, il était bon, il était préférable que tu aies spécifié que tu as le corps du génie de l'armée d'Haïti matériel. Ok, corps du génie, ça va parler avec toute branche même du spécialisé. Dans le génie. Dans le génie. Par exemple, pour le corps du génie, son corps qui est constitué de spécialistes ingénieurs qui étudient le génie. Mais pas oublier que le génie est le génie militaire. Tout. Qui ont branche spécifique et spécialisée dans l'armée. Donc, assez souvent, dans le corps du génie, hein, pour gagner tout type ingénieur, il y a ingénieur, il y a agronome, et puis il est capable d'utiliser, mettre en place un corps d'enroulé qui est maçon, et tout corps de métier qui est lié à génie, au maçon, et monde qui fait ferronnerie. Et moun ki fait plomberie, etc., ou capable de gagner un corps d'enroulé qui accompagne le corps du génie. Et ça permet que l'armée rien doit construire baraquement lui-même. Et le génie militaire, c'est autre chose. Et c'est des bagailles qui sont appliquées à génie de campagne. Donc, le ça, c'est eux-mêmes qui fait course dans l'armée. C'est eux-mêmes qui, l'armée a opéré, qui fait rôle de génie de campagne. Génie de campagne, là, c'est génie militaire spécifiquement. Est-ce que le colonel est avec un éventuel retour dans la force américaine? Retour? Oui, dans la force américaine. Ça dépend du retour dans qui ça? Par exemple, si par exemple, vous avez ouvert l'académie militaire, vous avez des cours, vous avez des consultations que vous avez des cours que vous avez fait. Et surtout en matière de stratégie ou d'opération militaire, oui. Et pas besoin dans l'armée, parce que même dans l'armée, on prend des professeurs civils, qui ont toute spécialité, des psychologues, des avocats, même nous connaissons des professeurs mécaniciens. Parce que pas oublier que l'armée a une flotte de véhicules, il faut l'entretenir assez souvent. Vous apprendre en rôle officiel comment vous entretenez une machine. Et monsieur Redou, question pas mener un sujet délicat, mais par contre, je vais obligé de poser quand même. Et par rapport, je vais regarder comment les soldats ici sont équipés par rapport à l'autre pays que nous suivons. Et ma même policier autour. Le plus souvent, vous pouvez faire pénétration dans une série d'espaces de nos doigts parce que. Et si M. Vassamio ou bien M. Gang Arméo, eux-mêmes, ils prennent l'espace ça. Nous ne pouvons pas habiller ensemble avec des grenades assourdissantes et une série de matériel comme ça qui permettent qu'ils pénètrent plus rapide. Ça passe. Est-ce que Haïti lui-même n'est pas jamais
considérer ça au niveau de l'armée PAO, comme si des matériels comme si permettent que la pénétration plus rapide, par exemple, vienne dans le sous-disant, c'est le matériel. Bon, là, on mélange, on peut le bail. Et premièrement, on parle de capacité de pénétration. Yo. Capacité de pénétration dépend de, d'abord de l'entraînement. Deuxièmement, de nature opération que vous allez faire. Par exemple, dans la gamme des opérations militaires, il y a les opérations classiques, il y a les opérations spéciales. Mais dans les opérations spéciales, il y a des deux personnes qui ont un entraînement spécial et qui ont matériel et équipement. Ni moi ni vous, je dis à nous pas dire qui ça l'a mérité comme matériel et équipement ou pas. Moi pas cap dire. Et parce que généralement ce sont des informations secrètes. Par exemple, on parle de grenades assourdissantes, là c'est de bail spécifique. Là on rentre dans la technicité spécifique. En grenade assourdissante, on va l'utiliser dans qui canouille là, pas tellement ouais. Maintenant, matériel, équipement, vous avez, moi, pas qu'on est, moi, qu'on est qui ça vous fait pour vous gagner. Pas qu'on est, je vous dis à qui ça vous gagne. Maintenant, pour faire pénétration, une pénétration, j'en parlais, surtout dans des espaces urbains, il rentre dans la catégorie des opérations spéciales. Et il y a un entraînement spécial qui est spécifique pour ça. Dans le plus souvent, et monsieur qu'on cache, non, c'est de caille. Et bon, par rapport à ça que nous avons regardé, par exemple, nos vies, le plus souvent, c'est le nom d'assouissante que vous trouvez en dedans, espace pour mettre au lieu. Des fois, les gens dedans, ça se pourrait vivre sur un peu de difficulté. Le plus souvent, bah ouais, ça a récupéré ensemble avec vous. Est-ce que mon pas capable de vous pas besoin de moi, vous pas besoin de connaître. Vous pas besoin de connaître. Force à ta fête pour ta connaître qui ça a utilisé. Ou bah un exemple, mais gen 10 000 autres bagailles, ou gen grenade fumigène, ou gen toute qualité matérielle que vous habitiez pour faire pénétration dans espace urbain ou espace urbain. C'est des gens qui sont réfugiés dans une demi-ville, et qui ont des cailles, etc. Et ils ont des méthodes pour faire travailler ça et pour progresser en dans un espace urbain. Et ces amis, ils sont entraînement spécial. Là, ils ont utilisé le RAID, par exemple. Un RAID, c'est une opération chirurgicale qui est spécifique à un point déterminé, pour un site déterminé, dans un espace, même un espace urbain. Et c'est des opérations qui sont faites de manière rapide, de maximum en 30 minutes et une heure de temps maximum. Donc, ça dépend de l'entraînement, ça dépend de l'objectif. Et la communauté internationale, là, et vous avez regardé à travers le groupe qui demandait pour l'armée de la campagne. Vous mettez dans notre place, gendarmerie. Comment on voit entre gendarmes et l'armée? Chaque titre ça a une caractéristique. Par exemple, une gendarmerie, c'est ça que nous avons gagné avant. Pas oublier que l'armée nous a gagné assez souvent. C'est non lyonnais qui a changé. Il était relé la garde d'Haïti, il était relé gendarmerie, il est venu relé la garde d'Haïti, il est relé l'armée d'Haïti, il est venu relé les forces armées d'Haïti. Et une gendarmerie, c'est une sorte de corps militaire policier. Et par exemple, en France, où il y a une gendarmerie, c'est un corps intermédiaire entre l'armée et la police. Il y a un degré d'entraînement plus que la police et il y a une possibilité pour le mix, pour le travail avec la population civile. Alors que l'armée a lui-même libéré pour le travail dans la population civile du tout. Et c'est ça fait même dans la Constitution qu'on prévoit. Les pour l'armée opérer dans le champ civil, ils sont obligés d'avoir des dispositions légales spéciales pour ça. Par exemple, aux États-Unis, pour l'armée, intervenu sur le territoire américain, c'est ce que le baguette doit faire, faut qu'il décrète l'état de siège. Parce que l'armée, normalement, pas supposé opérer sur le territoire que l'appartenant, parce que là pour des opérations extérieures, ou bien là pour la défense nationale. Selon les nôtres, ça a quelques jours, dans le cadre de l'opération de la police, après, de concert avec la médaille. Il y a des routes qui prennent la route de la police. Il y a les policiers kenyans qui ont fait couverture pour en l'air. Les policiers kenyans ont dit qu'ils ne peuvent pas recevoir l'ordre, ils ne peuvent pas progresser.
Il y a des gens qui disent que c'est paix policier au Kenya, alors que les vrais policiers nous avons dit ça quelque chose. Bon, je ne pas penser que ce sont des informations. Maintenant, pour me donner une opinion sur les informations, tu as révélé le vrai. Maintenant, comme je ne sais pas si ça a été dit, c'est vrai, on a une hypothèse, on a une supposition. Et premièrement, il a dit que les policiers haïtiens étaient obligés presque de protéger les policiers kenyans. Ce n'est pas très étonnant. Ce n'est pas très étonnant. Parce que c'est deux corps différents qui ont évolué son espace, son théâtre d'opération, son terrain. Côté policiers haïtiens connaissent le terrain mieux que eux. Donc ça n'est pas étonnant que les gens soient en embûche, que les policiers haïtiens aient une attitude, un comportement qui protège eux. Plus que eux-mêmes, ça, c'est pas son bail qui est totalement naturel. Son bail qui est lié à connaissance terrain. Maintenant, l'œil a évolué en opération. Les policiers haïtiens ont demandé pour yo couvrir eux. Ils ont dit qu'ils ne recevaient pas l'autre. Bon, ça peut dépendre de qui gens joint staff là fonctionne. Ça a un joint staff. Le par exemple, ou gagne trois corps. La police, l'armée et puis les Kenyans qui ont opéré sur le même terrain. Ils ont obligé d'établir un commandement. Parce que la police a répondu à l'ordre et directeur général PNH. L'armée a répondu à commandement, commandant en chef, l'armée. Et troupes kenyans répondent à général de police qui envoie un commandement. Maintenant, pour faire fonctionner ensemble, pour ne pas avoir un problème, il faut qu'on ait un joint staff commander. C'est-à-dire que c'est un commandant qui est censé relier toutes les trois unités. Et si on va l'opérer, commande, il y a un monde qui fait pour un commandement pour qu'il baille chaque unité ça au l'ordre. Et avant de déplacer pour opération, dans la préparation et opération, je suppose que ça un joint staff meeting. Là a préparé opération parce que pas qu'a bon troupe qui a évolué sur terrain et puis pour lui demander un support l'autre a refusé de pas recevoir l'autre. Si pour pas recevoir l'autre, faut pas recevoir l'autre pour te souterrain en compagnie moun sa ou du tout. Mais c'est ça que fait et yo fait pour que par exemple dernièrement m'ta poué général Kony premier ministre Kony t'a participé non réunion, c'est ça ou les joint staff meeting là. Faut gen un moun qui gen capacité pour le bay tous les trois corps au commandement ensemble. Donc m'pa konn ki moun ki rempli rôle ça pour PM Kony, mais réunion t'a fait assez ça. Maintenant, l'ité doit faire réunion comme ça relé un responsable politique parce que tout ça qui passe, c'est sous compte lui. Mais le fait pour te gagner ça relé un conseil spécial à la sécurité nationale qui a autorité parler avec tous les trois chefs ça et coordonner action tous les trois chefs ça par exemple. L'heure où tu as fait prestation de serment dans le palais national, tu as un monde dans le CPA, c'était l'architecte Lisley Voltaire, qui était responsable des questions de sécurité. Et moi-même, je suis représenté bras technique. Je suis à la fois bail des instructions à commandant-chef la police, bail des instructions à commandant-chef la MEA, discuter de l'opération. Prendre toute décision opération, même intégrer autorité pour ça comme une sorte de conseiller pour CPTA, beaucoup de Lisley Voltaire. Parce que Lisley Voltaire sont responsables politiques, nous pas capables de prendre décision sans structure politique là pas au courant. Mais bon parti dans décision qui pour ce sont des décisions techniques. Maintenant il faut qu'il y ait un monde qui ait pouvoir pour le dire commandant chef de l'armée, oui. N'a fait ça, non, nous pas fait ça. Et son monde qui peut parler même langage technique avec lui. Et travail ça fait dans la préparation de l'opération. Par exemple, et mais supposé que
que docteur Kony gagne un monde qui gagne compétence qui capable discuter de détails d'opération avec ni avec responsable Kenya commandant chef de l'armée, commandant chef de la police. Parce que le docteur Kony, ils ont médecin lié. Il n'est pas forcément obligé de gagner toute connaissance. Mais les gens la prennent comme conseiller, il faut que les gens capables de faire jonction dans tout, et dans tous les trois cas. Et des fois, bail de instruction. Donc il faut gagner un pouvoir pour ça. Ah, son commandant qui parlait, un commandant pas parlant là. Il va parler, il va dire un bagage parce que l'envie un bagage pour faire que monde content. Parce que généralement l'autre nous monde qui les amène même parler, on met connait toute préparation qui t'a fini faire déjà. Donc il gagne négo. Il connaît monde yo, il va l'attaquer au côté oui. Il connaît qui quantité yo, qui qualité des amis yo gagné, qui intention yo, qui moral y a fait. Qui j'en moral yoye, si y'a déplacé là, pour y'a tel l'autre côté, le connaît tout. C'est à partir de toute information ça, où y'a quelqu'un doit préparer de bagay. Il prépare quantité nèg li besoin, quantité zam la besoin. M'tende yo parler, y'a opéré ni dans le ciel, ni sous terre. Alors naturellement, moi même pas connaît. Mais bagay m'étende le dit, c'est le bagay m'étende le dit, il y a deux ou trois semaines. Et m'étende dit, pour résoudre le problème qui est là, ou pas cap opérer à terre seulement, il faut une bonne couverture aérienne. Maintenant, qui qualité couverture aérienne? Couverture aérienne pour faire qui ça? Par exemple, ou bien une couverture aérienne d'observation et d'orientation en matière d'information. Ou bien une couverture aérienne défensive. Ou bien une couverture aérienne offensive. Et ça m'a donné de matériel et d'équipement différents. Donc, son commandant, s'il parlait, m'obligeait juste. Tant de saldia et puis il était temps. Oui, mais et, c'est pour sous l'armée à connaître, parce que nous connaissons même la marine et monsieur dame et vivant ensemble qu'on a couru. Mais Kounia, est-ce que je crois que tu as besoin des bateaux de guerre? Des patrouilleurs, des plusieurs types. Il y a plusieurs types. Est-ce qu'on a plus de matériel dans, puisque nous pouvons, à ma connaissance. S'il dit l'appel, c'est que le connaît le gain. Parce qu'on pas cap dit ça son bagage ou pas gain bateau ou pas gain patrouilleur ou pas gain ça pas gain autant dans interview que la journaliste demande est-ce que le gouvernement pas jamais fait appel à vers car pas écouter pas ça cap passer là non non mais dit que bagage qui a fait oui gon pile bagage qui a fait est-ce que jusqu'à présent le DP après non, au contraire, je ne finis pas la réalité de cela dans le même soir, je écrit président Leblanc en lettre. Parce que les gens qui ont fait une pile de propagande, ils ont fait une pile de bruit courir quand monsieur a demandé pour me faire des choses trop cobbes. C'est comme ça que je me suis dit. Nous sommes des gens qui ont une boutique et puis m'a fait prix. C'est un bail qui était dangereux. Qui était dangereux. Et ces informations, ça a été réalité listée qui veulent des relais maintenant. C'est quand je me suis dit, monsieur, tu as consultation et puis je m'en ai trop propre. Bon, premièrement, ça va être bien mis dans la tête pour me demander l'argent. Je ne comprends pas que les gens, ils ont brûlé pour une consultation en Haïti, dans la situation où nous y là pour me faire prix. Donc, je suis obligé de démentir la question, ce n'est pas la vérité. Premièrement, je ne vais pas demander ça. Deuxièmement, je ne vais pas arriver dans le point quand vous avez un marché, vous avez des avocats qui vendent, vous avez pris 20 gouttes, 200 gouttes, etc. Non, ce n'était pas le cas. Mais étant donné que vous voulez faire quoi? Que c'est dans le marchandé et que je suis censé refuser. Rendre pays à service, moi démenti ça. Et m'te écrit président Leblanc pour me dire premièrement faut me rencontrer avec eux pour éliminer rumeur ça parce que une rumeur pas jamais innocent.
c'est un monde qui fabrique pour une raison bien précise. Et deuxièmement, et pour me dire que bagaille a fait là et que moi pensais que j'ai des responsabilités pour me t'apprendre. Même qui connaît que dossier sécurité en Haïti, son dossier politique lié, il n'est pas insécurité. Insécurité qui en Haïti a existé parce que les gens qui sont dans le gouvernement voulaient exister. Il existait parce que les gens qui sont dans le gouvernement n'ont pas voulu les problèmes résoudre. Depuis Soit Ariel, c'est une certitude. Pour moi, même tu connais. Parce que je n'étais pas là avec Dr. Ariel Henry à plusieurs reprises. Il y a des gens qui mettent pays à, qui voulaient l'insécurité arrêter et qui voulaient utiliser l'insécurité pour faire faux élection, pour mettre la même qualité pour nous au pouvoir. Maintenant, en ce qui concerne Dr. Kony, je ne connais pas si il y a un programme ça. Je ne connais pas si le sénateur Leblanc qui part dans le programme ça vient rentrer là-dedans. Mais seul ça me connaît, je connais les gens qui peuvent arriver en Haïti qui peuvent bay orientation technique pour résoudre problème non moi constater pas jambre le maintenant si par exemple docteur Kony nous connaît son médecin lié on connaît ses gynécologue lié donc son médecin ou médecin gynécologue ou pas aucune même s'il devait faire des études spécialisées il a qu'à faire pour curiosité intellectuelle il pas qu'à avoir compétence pour prendre des décisions à la fois stratégiques et tactiques il est capable prendre des décisions politiques dans une opération policière ou militaire. Parce qu'il y a une responsabilité politique. Mais fait attelage, bagay nous t'as pas l'étalé à harmoniser l'action force kenyane avec l'armée, avec la police, c'est pas compétence li. Mais les gens qui ont compétence, ils ne sont pas réelés, ils ne sont pas fous. Ils ont raison. Et moi, je crois que la population a payé une conséquence très grave parce que pile les gens qui sont en politique, qui pas ta remè de moun ouais qui pas ta remè ouais que deux moun qui connaît dans domaine là vinn résoudre problème ça parce que si un moun résoudre problème ça en Haïti moun nan ge doit dire pral faire campagne li vle président la président même côté et moi même moi connais que gen des moun dans politique qui pas vle de technicien par exemple on est comme Mario de André Sol mes amis li pas normal que gen problème ça. Pour les gens qui ont gouverné au Paris, les Marion Rissol, ce n'est pas normal. Que Paris l'on est Kankou Gédéon, ce n'est pas normal. Que Paris l'on est Kankou James Boyard, qui connaît, qui a une connaissance en matière de sécurité et défense au niveau international. Donc si vous parlez les gens qui connaissent, c'est que le combat est caché, le combat est pas vrai. Et ça, c'est un combat politique.